J'en ai plein le cul de ce perso. Et je suis beaucoup trop fatigué. Et j'ai pas envie d'abandonner. Parce que je suis un gamer. Oh le D20. Oh. Soul of the Keeper. Est-ce que je prends cet argent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Non. Mais il n'y a pas de batterie. Parce que D20 c'est cool, mais D20 c'est encore plus cool s'il y a de la batterie. Il n'y a pas de batterie. Pourquoi j'arrête pas la vague? Parce que si j'arrête la vague, je suis mort. Vu que j'ai pas de point de vie. Ah, c'est à tous. Il est gratuit le cancel des vagues avec Lost? Ah, ça, je savais pas par contre. Merci. Alors, ok. Bon, on va prendre l'argent là, même si, ouais, du coup, il faudra que je fasse gaffe à pas prendre d'argent. À côté. Un bel objet, ça aussi. Moi je vois bien le... Il y a bien les pics sur le truc central hein. Je pense que The Lost V2 il se fait baiser c'est tout hein. Oui je vole mais Sacrifice Room on vole aussi c'est pas... Fight. Moi ça me va. Pas de lucky coin. Alors par contre, il n'y a plus le délire de... on s'en fout en fait, je crois que c'était patché. C'est-à-dire les coffres qui sont déjà ouverts ne comptent pas comme objets qui se font reroll. Donc peu importe qu'on aille chercher la batterie hors de cette salle à chaque fois. Ouais, c'est patché, ouais. J'ai besoin de 5 balles, hein. Ah, y a pas de grosses pièces. C'est une catastrophe, ça. Que je trouve une clé dorée. Je sais pas si j'ouvre ces coffres ou je les reroll.
Ah, ça c'est intéressant. Quelle est la strat là? Parce que j'ai besoin des 5 balles. J'enlève les clés. Ensuite, il peut y avoir plus de loot dans les coffres. Mais du coup, je prends quand même une clé. Ouais, j'ouvre quand même, hein. Ça, ça règle mes problèmes d'argent pour les batteries. Il reste plus beaucoup d'objets, hein. Ok. J'avais déjà une batterie, j'ai gaspillé 5 balles. Oui, j'avais une petite batterie qui me donnait 2 charges et qui me permettait pas d'utiliser mon objet. Mais sinon, abonnez-vous. Ok, alors. Ah voilà, la clé dorée, ça c'est parfait. Ça c'est un bon bail. Va falloir être patient, hein. Va lancer le boss si possible. Achat batterie, c'est mieux d'écouter le stream avec le volume activé. C'est mieux de pouvoir écouter. Ça marche plus, ça a été patché. On en parlait il y a 2 minutes sur ce stream qui se trouve sur twitch.tv/MrMV. Vous pouvez vous abonner pour 4€ maintenant, au lieu de 5. Okay. Alors. Attendez, attendez. Oh ! La belle prise. Attention à l'argent quand même, hein. Merde, j'ai pris la bombe, c'est pas grave. Ça va être un jeu de patience, hein, mais y a un monde où on va être craqué à la fin, je vous le jure. Avec les cartes pour une éventuelle justice. Ah oui, c'est vrai. Il y avait des cartes là ? My bad. Oh, ça commence à être beau là. Il se passe des choses à l'écran. Mais non, ouais, c'est la super secret. Je croyais que j'allais avoir la super secret, mais non. Stun ne donne que la secret room. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de naviguer. Je vais faire juste attention à la bombe de mort, là. Autre licarne, mais je n'ai pas de quoi transporter de cartes encore. Oh, j'ai eu un dime là, vas-y je prends ça aussi. Il y a le coin infini c'est forcément worth, mais il faut naviguer intelligemment. C'est pas le plus pratique, hein. Oh, la mouche qui pète. Non mais la mouche qui pète c'est un sale bail. Je sais plus ce que c'est le bleu sale. Hein. Je crois que c'était ok mais... Yeah. Puis pour la holy card, hein, pour l'instant. Les holy cards utilisées se cumulent. Ça n'a jamais été le cas, on est d'accord. À moins qu'en green mode, il y ait un fonctionnement différent. Mais on a eu ce débat là hier. Ah oui, la poser dans le shop, oui, par contre, oui. Pourquoi pas. Si je me fais toucher comme une merde contre le boss, ça, c'est d'accord. Il
Je vais mourir contre le boss en 2 frames, ça va être énorme. Se faire chier 30 minutes pour mourir, ça va être énorme. The Hierophant, oui c'est mieux. C'est 2 objets au lieu d'un. The Devil, c'est non. Manque de coffre doré ces petits rerolls hein. Oh Yera, oh Yera, oh jure-le c'est Yera. Dommage. Avance et refais-le à 10 de luck. Ah oui, ça aura une importance. Non mais je vais pas avancer tout de suite. Ah non, je vais pas quitter cet endroit sans avoir eu des objets craqués. Hein. Il en est hors de question. Hein. Alors là... Parce qu'on l'a pas vu si souvent que ça le A+. Hein. Algis, c'est encore mieux que Oli pour Grid. Oui. Mais il nous faut quand même... Il nous faudrait pouvoir porter plusieurs choses, c'est ça le problème. Les vins ne rirolent plus les coffres ouverts, non. Hélas. Bon, ça c'est incroyable. Comment ça se passait les choses. Putain, quand je pense que j'ai acheté une batterie au shop alors que j'en ai deux là. Ah oui, faut que je regarde s'il y a des lucky coins aussi. Ouais. Par contre, le coffre là, il est sur le bouton, donc c'est non quoi. Soul of the Keeper en bas là. S'il y a une troll bombe, on va mal le vivre, mais bon, on a des holicards à plus savoir qu'en foutre. Comment ça se passait des choses dans la game? Call of Azazel, non? Parfait, ça remet des drops. Merci Lucas. Ça c'est piégé. La pénibilité. Ah, c'est de la patience, hein. Hâte de mourir dans deux frames. Ça fait spawner des cartes comme Trinket, mais en green mode, j'ai l'impression que c'est Osef. Il nous faut un truc genre Cancer ou Curved Horn. Hein. Batterie gratuite dans la salle, oui, j'y vais. Alors, hop. Sauf grosse pièce, oui, il n'y a pas d'urgence encore. Oh, c'est un familier ça. Et là c'est le Dark Bum. Enfin non, c'est le Bum qui vole les pièces. Oh là là, ce serait insane. Ah, Shade pour rien voir. Je prends pas les objets hein. Un Bob's Brun. Oh, bien. Petit besoin. Vous voyez finalement ce qui est bien avec ce stream, c'est un lock-up. Ce qui est bien avec ce stream, c'est que Twitch a priori va peut-être bannir les streams casino. Mais il restera ce genre de stream. Sachez que vous pouvez vous abonner au casino Epic Game Store avec le code créateur MrMV.
Il y a deux dimes. Ouais, ok. Ok, ok. Je vois que vous êtes des gamers. Pour reroll les bombes de... Je crois que ça marche plus depuis un moment parce que j'avais essayé, même avant Repentance, de reroll les troll bombs de The Tower. Ok. Oh, parfait. Eh ben nickel. Vous voyez, même sans la luck, on commence à s'en sortir. Puis avec un luck, des luck coins qui peuvent pop ici et là. Oh là là, quelle esquive, quel jeu de jambes. Il y a peut-être assez de batterie là. Non. C'est dur, hein, c'est dur de naviguer, mais bon. C'est quand même être un peu précautionneux. La blank card, ouais, le combo incroyable, c'est blank card avec le school bag pour avoir plusieurs objets, et là, c'est la fête du slip, hein, mais... Manque de coffre doré, hein, c'est la luck qui pêche, là. Beaucoup de cartes peut-être, Justice. Deux coffres piégés, attention, ce serait dommage. Oh, je vais pas jouer la pièce. Hein. Ça va être un peu chiant de jouer la pièce infinie. Reroll le shop. Ah oui, pour plus avoir la batterie. Ok. Hop là. Hop. Alors. Ça va bien se passer. Queen of Hearts. Oui. Attention. Ça commence à devenir problématique, hein. Où sont les lock-up? Oh, petit horse-pile là, vous voulez la pilule pour chevaux? Sûr que vous le voulez, hein. Tout de suite un sondage. La trinket là, hein. Ça va être drôle avec bombe infinie. En vrai, je peux faire la curse room avec toutes mes holy cards. L'intérêt? Nul. Bien. Ancient Recall, Erawok. Erawok c'est fort, hein. Gros slowdown sur toute la pièce. Si vous voyez si vous voyez un Lucky Penny, hein, n'hésitez pas à me le dire. Vous me dites où? Si vous voyez un Lucky Penny, vous dites là. Okay. Très bien. Alors. S'emmerde pas. Ce qui est bien, c'est qu'on s'emmerde. J'avais peur qu'on s'emmerde sur ce stream. Mais maintenant, c'est une certitude. Ok. Two of Diamonds, là. Ouais, c'est frère. Oh bah tiens, on en parlait. Voilà, un petit school bag pour avoir deux objets actifs. Donc, reste plus qu'à trouver une petite blank card à un moment là. Et puis, on s'éclate quoi.
Ah, vous avez vu ? Là. Je vois beaucoup de là. Vous avez vu une pièce avec un reflet vert ? Ah oui. Bravo, ouais, mais vraiment, vous êtes des gamers, hein. Plus aucun doute. Ok. J'en ai manqué une au rôle d'avant. Ah merde. Ok. Je serai vigilant alors. De clés, on est solide. Pariot like Hurst, grosse flemme. Bon, il y a encore une olicarne, mais est-ce qu'on s'en branle? Probablement, hein. Enfin, certainement pas l'épée quand on récupère des pièces. En fait, faire double des 20, on s'en fout. Oui, probablement. Là ? Attendez, vous gueulez là. Ah oui ! Oh là là, incroyable. Bravo. C'est vraiment de la coop. Soul of the Lost, il y a des cartes, grosse flemme. On avance un peu plus vite là. Pas vous cacher. Une grande batterie. Bon, on t'en va pas. Un petit hors pile là. Ça aurait presque valu le coup de jouer pilule hein, en vrai. Parce que là, on en voit souvent quoi. Une petite bat trip là. Des bleus, genre les bleus, on en a vu 3 quoi. Et là, j'ai une TP qui m'emmène dans une glitch room et je suis obligé de sortir du niveau. Attendez, c'est la même que la Horspile. Verp. Et ça fait quoi une double Verp alors du coup? La petite clodo. Non mais parce que dans l'éventualité on reroll le shop, vous voyez. Car bon vivant rime avec prévoyant, comme disait Lucien Jeunesse. C'est de la rêve de boomer. Hein. Ok. Ok. Voilà, vous voyez, on gagne de la luck. C'est quoi cette horreur? Je connais pas celui-là. La patte de criquet. Quoi ça? Ace of Hearts. Oh c'est quoi? Trinket de mort encore. Et une... Oh je l'ai vu. Là, là, oui, vous là. Bien joué à tous.
Oh, allez. Putain, ça va se retourner contre moi. Ok. Ma stat la plus faible était la portée. Oh, Wooden Cross, c'est Holy Mantle à l'étage. Ça se stack, non? Je crois que ça se stack, en vrai. Oh, le Yera. Non. Les 99 pièces. Oui, mais c'est pas des pièces que je recherche. Ce ne sont pas des pièces. Ok. Peut-être quand même des objets. Ouais, j'avoue. J'avoue que... je peux faire ça, sans reroll. Ok. Oh, la tentation. Oh, attendez. Ah ouais, mais non, moi je dois garder Wooden Cross, même si Bloody Penny est tentant. Quand je prends des pièces par heure, de mettre des petits cœurs. Mais non, c'est Exlax, la dernière que j'ai pris. Faut que je retrouve une Fortify Tower Energy. Enfin, c'est technique, hein. La lime, c'est bien. Pour les coffres piégés, ouais, c'est ce que je me demandais. Est-ce que ça marchait? Bon, c'est pas trop grave. Les coffres piégés sont jamais les dorés, donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. Quelle aventure humaine, hein. Quelle aventure humaine. Jamais capté le but de jeu. Ah bah c'est pas avec ce... c'est ni avec ce mode de jeu, ni avec ce qu'on est en train de faire que t'auras la réponse à tes questions, quoi. Ok. Ah, cette clé. Less is more, Gilded Key. Là, c'est bon, je l'ai eu. On a combien de luck? 8, hein, mine de rien. Alors, heureux. Attendez, je vais prendre le dime quand même. La horse pile, non, mais... Yera? Est-ce que c'est le moment de Yera, vous pensez? Je crois qu'ils l'ont interdit, hein. Et c'est que des Algis, toutes les runes qu'on a eues. Que non, je dois quand même garder ça. Même si Counterfeit Penny, c'est fort. Oh, la dingue. Je veux pas le bonnet d'âne, hein. Mais ça, je veux. Mais d'accord que le bonnet d'âne, c'est Are You a Wizard en permanence. Ça tient même plus devant. Boftière, quoi. Non. Tout était prévu. Passe dans le shop. Oui, c'est probablement une bonne idée. C'est vrai que je pourrais sauvegarder les trinkets qui me plaisent.
Si tu trouves un tracteur beam, le bonnet d'âne, c'est Gauthier. Ah oui, parce que ça fait des tirs en plus. Ouais, mais bon, c'est un drôle de pari, quoi. Counterfeit Penny. Ah, j'aurais peut-être pu garder Counterfeit Penny dans l'éventualité où... Bof. Où je pouvais avoir deux trinkets. Mais bof. Alors. Le problème, si on commence à aller vite, c'est qu'on fait plein de conneries, quoi. On touche à tout. Tout ça pour mourir, hein. C'est ça qui va être incroyable. Tout ça pour mourir dans 5 minutes après le moment où on aura arrêté de farmer. Et ça, j'apprécie. C'est peut-être ça le gaming. Tiara ? Non, c'est officiel. Hein. Ensuite, c'est vrai que je pourrais utiliser le guise. Pour aller genre prendre les coffres... les divers coffres piégés, etc. Bon allez, une petite hors-speed, on se fait plaisir. Non, non. Non, non. Non mais non, je veux pas être plus large. Non, c'était une connerie. Non. Non. Non, c'était pour déconner. HP up, shot speed down. Énorme. Mais on pourrait pas avoir... Parce que je suis sûr qu'ils ont pas mis One Makes You Smaller dans la... Dans le truc, oh là là, je suis au bout de ma vie. Putain, je suis au fond. Je suis officiellement au fond. Oui, sinon, faut des items qui rendent petit. Une image et compagnie. 0,88 de speed? Ah ça, si on l'utilise, on passe un très bon moment. Hein. Là ? Ah, c'était avant ? Ah si, là. Bravo. Hein. À la frame. Allez, c'est... Mais non, ça c'est pour dégueuler. Rayapa, one makes you small, mon sexe. One makes you small, sexe. Non, non, non. Attendez, celle-ci, je l'ai pas testée, je crois. Là, y a... Ah, et celle-là, bah non plus. Il est où, One Makes You Small Sex? Ah bah oui, Momski, il y aura de meilleurs contenus dans les coffres. Non mais c'était prévu, hein, de toute façon, hein, calmez-vous. Alors. Oh! Oh, celui-là. Celui-là, on l'a vu, hein. Oui, c'est vrai que Deep Pocket nous permettrait de trimballer 1000 balles sur nous. Hégémonie et Qual Power. Vous comprenez, hein, vous voyez un peu le délire? Vous voyez le bail? Oh non. 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 C'est-à-dire que je vais devoir esquiver ça tout du long maintenant. Ok, n'importe. Au moins j'aurais pu esquiver quoi. Je sais pas trop mes objets s'il vous plaît. Devil Deal c'est non. Quand même j'ai Godroom hein. Ah là en bas. Ça. Ah oui. Non, bah à partir du moment où je suis... En fait,
À partir du moment où je vais être très fort en farmant des objets, Godroom c'est forcément mieux parce que c'est vraiment les objets qui snowballent de manière absolument stupide. Ensuite il y a Death Touch et compagnie mais... Alors c'est vrai par contre que j'ai pas... Curse Tie sur... En fait Curse Tie... Ah oui, Curse Tie sur The Lost. Mais le problème c'est que s'il se fait toucher son Holy Mantle, son Holy Card, il se fait téléporter ? Non, c'est quand il va crever, donc ça sert à rien quoi. Ouais, voilà. Joue avec le feu là quand même. Là y a pas de pilule One Makes You Small, j'en suis sûr qu'elle baise. What a baise. Et il peut pas se faire TP donc c'est ok. Mais attendez, c'est quoi? Mais des fois, Cursed Eye, on reste pas bloqué. Il reste pas bloqué comme un con, il tire pas. Voilà le cup là. Je me demande de garder calme. Arrêtez. Ça cesse. Je sens que vous deviennent fou, alors je vous demande de garder calme. Oh la gold pile, oh la carotte. Ah oui, Bomsky qui fait son taf. Expérimental pile. Tears up, shot speed down, parfait. Putain mais J-peps quoi. JP tellement P, il nous faudrait Fun. Oh oui, je deviens plus petit. Et ça aussi d'ailleurs. Sauvé, saved. Saved. Et Momsky qui fait que les coffres ils deviennent stupides. Et les rolls, les rerolls s'améliorent de mieux en mieux. Là, bien sûr vu. Ça y est. Est-ce que vous commencez à y croire? Moi, je commence à y croire. Alors, ce que je veux dire, c'est que je commence à y croire que je vais avoir un build craqué. Est-ce que je crois que je vais gagner cette partie? Non. On va la perdre. On va la perdre dès qu'on quittera cet étage. Merde, mais du coup, je passe à un 50-50 à cause de cette baise. Fallait pas toucher les coffres rouges. Je passe à 50-50, merde. Et si je prends, je passe à 100% de Devil Deal. Mais ils sont nuls ces Devil Deal. Hein. Cube of Meat, on peut l'avoir au magasin. Hein.
Oui, c'était sûr qu'il allait mettre des araignées de mort. Two of Diamonds. Deux là. C'est une partie qui se termine à 242 luck. Ça va être la meilleure VOD. Une VOD. Est-ce que vous pensez qu'on va battre la VOD de 6h30 de FTL Multiverse? Tout de suite un sondage. Et 2 de dégâts. Même si je pense que j'en aurai pas besoin par la suite. Alors. Il y a encore un là, c'est ça? En vrai, on a 13 de luck. Hein. On va dire qu'on s'en fout. C'est un peu la merde de prendre le Odd Mushroom qui nerf le dégât. Quoique, ça me permet de débloquer le T-Rate encore plus, non? Il y a la transformation Fungi. Deux en bas à gauche, bas milieu gauche. Putain. Ah oui, vu. Ah oui, vu. Bravo. Il y a la clé pour Hush. Le cauchemar. Ça, c'est Libra. Ça, c'est un sale bail, non? Ah non, mais putain, va falloir esquiver ça. Oh non, imagine. Attendez, je vais faire ça parce que si c'est une dingue, j'ai pas envie qu'il soit sur la porte. Okay. Libra, ça équilibre toutes les stats. Et à part si on a un Soy Milk qui du coup nous fera un méga stats up, c'est assez... Bon, maintenant on peut toucher à ça. Hein. C'est assez plan huc. C'est quoi la Tears Up? Ah, une petite expérimentale pile. Tears Up Lockdown. Parfait. Ah, mais ça, on peut plus gagner Tears Up grâce à ça. Avec Kegel, ouais, on s'en fout. Non, on s'en fout maintenant des pilules, en vrai. Libra plus Odd Mush. Ouais, mais Odd Mush a pas nerfé mon dégât tant que ça. Libra, incroyable, tu as que des grosses stats. Ouais, mais bon. Dans le shop, t'as un objet qui est compatible avec Libra. Genre ça? Mais Libra sera forcément toujours un nerf. Et un crack dice? Non. De toute façon, Libra... On s'en fout vu que il reste, qu'on a le temps de se décider. Bon, je prends ça. Hein. Oh, fun guy là. Mais ça a bien nerfé mes dégâts. Ok. Spun, c'était déjà, hein, je suis déjà spun. Ah bah, je le suis encore plus. Ah, le smelter. Oh, j'avoue, si on peut avaler tout nos trinkets, là. Oh, la dingue. Avec Momski. Ah, ça y est. Ça y est. Voilà. Oh. Ça y est. C'est des ambiances. Ça nous rappelle Rebirth. Enfin, ça nous rappelle Rebirth. Il se passe des trucs, là. Ça commence avec le Delbor. Combien? Ok.
J'ai deux pilules luck up. Non, mais c'est pas grave. Il y a des lucky coins. Tant pis, c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça. Ah oui, il y, y a le crayon qui fait la gerboise toutes les, tous les 10 tiers. La red key pour lui. Ah, on peut red key en greedier, vraiment? Il y avait une red key, là? Oh. Il va y avoir un accident. Il va y avoir un accident, c'est sûr. Ah oui, mais en plus j'ai pris Guppy's Tail, donc oui, des coffres, il va y en avoir encore plus, toujours plus. Avec Momski, ouais, là on commence à... Good vibes, good vibes. Par contre, gardez la holy card. Oh, ça c'est le Delbor. Oui, mais c'est celui sur les ennemis, donc c'est mieux que Varicose. Vergeture. Ok. Non, pas les vergetures, les... Bref, on se comprend quoi. Les varices. Ok. Guppy là? Ah, toujours pas. Hein. Oh, ils m'ont remis là! Les bâtards! Bah, il prend le bonnet d'âne. Ah, on a perdu la carte entre temps. Elle doit être en bas. Oui, il y en a deux. Poker style. Ah, ça va être compliqué de la garder cette carte. Hein. Mais du coup... Oh merde, maintenant c'est comme ça, je suis obligé de spammer le bouton toute ma vie. Ah, ça me casse les couilles. Pourquoi Curse Tie? Ouais, bah je l'ai fait exprès. Non, parce que j'aurais jamais mieux que mon tier rate, même en spammant toute ma vie le bouton, quoi. Si, il faut que je fasse ça. Le tier-rate, il est unlock, il va être de plus en plus unlock, donc j'aurais été dit 1000 fois mieux. Oh non. C'est chiant. Non mais c'est pas grave, l'effet du curse-tie sur le perso, mais ça va être chiant de devoir spammer les boutons comme... Parce que je peux pas le faire au stick ça va être trop nul, donc je suis obligé de spammer le bouton toute ma life. Activer l'auto-fire, ouais j'ai pas. Non non, c'est trop nul. Oui, d'accord. Vite, au secours. Quoi? D'accord. C'est bon, je l'ai claqué. Le little unicorn qui me bounce contre le truc de merde. Ok. Oh, oh merde, oh là là. Pff. Faut que je le garde pour le prochain roll. Un roll où il y a plein de coffres jaunes. Oh là là, non mais c'est infernal. Mmh. Oh là là, au secours. Non, j'ai pas été touché, hein. Vous avez pas vu Yera? Stem cells, ok. Oh, j'ai Yera. Ça, c'était inattendu, ça. Holy Mental, hein. Pas d'embrouille. Oui. Non mais Ludovico, c'est jamais de la vie.
C'est nul ici, mais aux F1. Ça commence à être le Delbor. T'es OP avec le Pepper. Pour ça. Du coup, ça annule Curse Tie. Oui, mais entre tirer 12 000 fois et juste avoir un truc qui se balade, c'est un peu nul, non? Vraiment, il prend en compte tout ce que j'ai anti-rate pour que le dégât soit insane. Ça doit être vraiment naze. Le rate damage est gardé. Ludo va crash le jeu? Ouais, et puis le Ghost Pepper va-t-il rester, quoi? Point d'interrogation. Voilà. Parlons de crash le jeu. Oh, non, je croyais que c'était Absalifly. Fly. Elle est peut-être loquée. Oui. Non, le Dead Onion, je suis pas sûr. Quoique, est-ce qu'on est à ça près hein, maintenant? Ça a même pas nerfé mon tier rate, insane. Oh non, pas Montezuma mon cul. La pomme. J'ai pas vous avouer que ça va être compliqué de ramener la Holy Card. Pour le speedrun. Non, mon D20. Non, mais quel cauchemar. Mom, transformation. Ah non, j'avais déjà. Non, mais ça, c'est les... Ah non, Flatstone. Oh, Flatstone, je suis pas sûr. Bon, allez, 3$ bill. Allez, c'est bon. C'est bon, on prend tout. On le touche. Faudrait que je change d'objet, voilà, quand je me balade. Faut que ce soit pas le D20 qui soit switch tout le temps. Ah, j'ai été touché. J'ai appuyé et ça a pas... Voilà. Bon, c'est la meilleure VOD de YouTube. C'est probablement la meilleure VOD d'Isaac qu'on ait jamais connue. Je me demande même si je vais couper l'intro. Où on tiendra, c'est qu'il faut peut-être le refaire à l'étage d'après. Le pire, c'est que j'ai appuyé sur R1 pour The Fool, mais au moment où je meurs. Merci à Bob pour le raid. Merci énormément. Bienvenue. Ça faisait une heure qu'on farmait pour essayer de gagner un run gridier avec Tainted the Lost, qui est un personnage qui n'a pas le droit de se faire toucher. Du tout, jamais. Tout plaisir. Merci 3 Yakuza qui avait donné 500 bitcoins il y a 1000 ans. Merci à Mangeur de Phoque, Z, Matasinguez, Brazors pour les primes. Merci Nakilo77 qui fait ses 4 siècles. Exinferi, CH, Tarkov76, Oldmaniac et Onamurk. Voilà déjà à 2h40 que ce stream a commencé. Toujours aucun secret débloqué. Ce que je propose, c'est de peut-être jouer un autre perso. On va faire une petite pause pour essayer un petit peu de digérer ce qui vient de se passer. Des bisous YouTube.